Salut les amis, aujourd'hui petite recette. J'étais absent pendant un certain temps, je le regrette, je m'en excuse. J'ai eu pas mal de problèmes de santé. Maintenant les vidéos vont reprendre avec nouveau projecteur, la fibre, nouvelle qualité d'image également. J'espère que ça sera mieux qu'avant. Enfin, beaucoup de choses ont changé. Aujourd'hui, on va faire un poisson. Donc, ça va être une dorade sébaste. Je vous montre tout de suite la bête. Voilà ce qu'on appelle une dorade sébaste. Certains l'appellent perche rouge et ainsi de suite. À savoir que ça n'a rien d'une dorade. Ça ressemble plutôt à un petit mérou, on va dire. Voilà, avec une grosse gueule énorme. Alors c'est un poisson qu'on nomme dorade, je ne sais pas pourquoi, ça n'a rien d'une dorade, ça ne fait pas partie de l'espèce des dorades, c'est tout simplement un sébaste. Ça se trouve dans l'Atlantique, nord principalement, et ça vit assez profondément. Voilà, on en a quelquefois chez le poissonnier, ou des filets, mais là il est entier. Tout simplement. Pourquoi dorade? Parce qu'apparemment serait le goût de la dorade. Donc il le nomme dorade sébaste. Mais sachez que ça n'a rien à voir avec la dorade. Voilà. Comment allons-nous la faire? Nous allons la faire en papillote, avec une sauce qui sera une sauce, ni une sauce au beurre, ni une sauce hollandaise. Ça sera un mix des deux. Tout simplement. Donc il va nous falloir des échalotes, du sel, du persil, éventuellement, pas obligatoire, du romarin, pas obligatoire, du poivre, du vin blanc, du citron, des œufs, du beurre. J'ai oublié 2-3 bricoles, mais bon, c'est pas grave, on verra au fur et à mesure de la recette. Première chose, on va couper le citron, on va couper les échalotes, donc les éplucher et les émincer. Pour commencer, j'ai coupé mon citron, j'ai retiré la peau puisque ce sont des citrons du commerce, quelques rondelles qui serviront juste de décoration pour mettre dessus. Mes échalotes sont prêtes, il va falloir les émincer finement, couteau filet de sol, plus la lame est fine, mieux ça coupera, bien affûté bien sûr. Donc, voilà, et ainsi de suite. Ensuite, vous coupez dans ce sens-là, et ensuite vous hachez. Donc c'est ce que je vais faire, je vais hacher finement les échalotes, elles serviront pour la sauce. Alors, elles sont émincées, faites-le finement puisque ça va être dans la sauce. Donc pour éviter des gros morceaux, faites-le relativement finement. Vous mettez un morceau de beurre dans votre casserole. J'ai pris une casserole en cuivre. Ça a son importance, ça va éviter de brûler. Un peu d'huile. Et l'huile, c'est pour éviter au beurre de brûler. Et on va mettre nos échalotes dans cette casserole. On va la mettre à feu doux. On va tourner de temps en temps, mais dans cette casserole-là, à feu doux, il n'y a quasiment pas besoin de tourner. C'est ça l'avantage de ces casseroles en cuivre. Alors, cuivre étamé, quelqu'un m'a demandé, est-ce que je peux faire de la cuisson dans une casserole en cuivre non étamée? Non, ne faites pas de cuisson dans une casserole en cuivre rouge, qui n'est non étamée. Le cuivre est toxique. Ça va vous dégager des oxydes qui vont être verts, et c'est toxique. Donc, il faut absolument que les casseroles en cuivre soient étamées. Voilà pour la petite question. Donc on va mettre ça au feu et je vous reprends ensuite. Alors, notre poisson, nous allons le saler. Alors là, je vais y aller avec de la fleur de sel. Alors on commence par l'intérieur, bien sûr. Là, le poivré. Ça c'est, si vous voulez, hein, c'est pas obligatoire. On va lui mettre du citron. Là, on va lui mettre un petit peu de romarin, qui n'est pas obligatoire bien sûr. Après, c'est suivant les goûts.
Voilà. Ensuite, nous allons le mettre dans une poche alu. Voilà, la bête est sur un papier alu. Donc salé, poivré des deux côtés. J'ai oublié de vous dire, le poisson écaillé. Les nageoires coupées, hein, mais ça, c'est pas obligatoire. J'ai oublié de vous dire une chose. Dans mes échalotes tout à l'heure, il faut rajouter du vin blanc. À peu près, vous avez vu pour mes quatre échalotes, à peu près, à peine un demi-verre de vin blanc. Et vous allez faire compoter tout ça tranquillement à feu réduit. Notre poisson est là. On va essayer de faire quelque chose d'étanche. Donc, vous allez remonter les bords. Voilà, comme ça. Surtout à chaque bout, bien comme il faut. Pour pas que le jus puisse couler par les bouts. Vous remontez au milieu. Et vous rejoignez en haut. Voilà, très simple. Attention, le papier aluminium, c'est fragile. Là. Ensuite, on va mettre un petit filet d'huile. Alors moi, je vais utiliser de l'huile ordinaire parce que je ne suis pas un grand fan de l'huile d'olive. Beaucoup mettront de l'huile d'olive, bien sûr. Moi, si j'avais eu le choix, j'aurais mis de l'huile de noisette. Mais je n'en ai pas. Là, vous allez rajouter du vin blanc. Alors pareil, pas une grosse quantité, hein. Peu près un demi-verre à peine. Bien sûr, pendant ce temps-là, vous avez mis votre four à préchauffer à environ 180-190 degrés. Et la cuisson sera de l'ordre de 20 à 30 minutes suivant la taille du poisson, plus s'il est plus gros. Alors ça, c'est à vous de voir. Ce qu'on veut, c'est une cuisson à l'étouffée, bien sûr. Donc on va refermer notre papillote. Là, ça va être un peu juste parce que le poisson est assez gros, mais on va pouvoir quand même. Alors on ne demande pas une fermeture totalement étanche, bien sûr. Mais bon, faut pas que le poisson se dessèche. Donc il faut quand même qu'il soit protégé. Et là, nous allons le mettre au four. Et pendant ce temps-là, nous allons pouvoir préparer notre sauce. Donc c'est parti pour le four. Revenons donc sur notre sauce. Alors vous voyez, mes échalotes, regardez, elles sont totalement confites. L'avantage des casseroles en cuivre, quand vous mettez sur un petit feu, il n'y a pas besoin de tourner. J'ai été secoué deux fois en un quart d'heure, c'est tout. C'est complètement confit, ce n'est pas brûlé. C'est là la grosse différence, parce que la chaleur se propage jusqu'en haut de la casserole. Donc le fond n'est jamais très brûlant. Contrairement à une casserole inox ou une casserole aluminium, où là ça va accrocher tout de suite parce que la chaleur se propage mal dans le métal. L'avantage du cuivre, c'est le meilleur conducteur de chaleur. Et là, eh bien, vous voyez, ça n'a pas accroché du tout. Alors, c'est la partie compliquée de la recette. C'est la sauce. Le poisson, c'est simple. Vous avez vu, c'est très simple à faire. Là, nous allons faire une sauce qui est entre la hollandaise et la sauce au beurre blanc. La sauce au beurre blanc, c'est une sauce échalote montée au beurre. La sauce hollandaise se fait avec des œufs. C'est au départ un sabayon. Qu'est-ce que c'est qu'un sabayon? C'est monter des œufs. Et il y a deux solutions pour ça. On vous préconise toujours de le faire au bain-marie. Alors, moi au début, je le faisais au bain-marie, avec une grande casserole plus une petite à l'intérieur, un peu pénible. Depuis que j'ai ces casseroles-là et même d'autres, je les fais plus au bain-marie. Je les fais tout simplement dans la casserole. Mais j'ai une autre solution à vous proposer. J'ai aussi une casserole spéciale pour faire la sauce. Elle a quoi cette casserole de particulier? C'est qu'elle a un double fond. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, elle est remplie d'eau sur une épaisseur, vous voyez. Et puis ici, voilà, vous allez pouvoir mettre de l'eau. Donc c'est une cuisson bain-marie, mais avec une seule casserole. Alors, ça évite de rater les sauces. Ça évite quand vous réchauffez une sauce, ben, qu'elle retombe en huile, par exemple. Tout ce qui est sauce avec de la base de crème, de beurre et autres, surtout crème, si vous la faites chauffer, réchauffer, elle va tomber en huile. Avec ça, non. Ça réchauffe lentement parce qu'il y a une isolation par l'eau tout le tour et sur le dessous de la casserole. Alors,
Monter, moi, si je l'avais fait pour moi, sans faire de vidéo, je l'aurais monté directement dans cette casserole-là, le sabayon. Maintenant, est-ce que j'essaie de le faire avec ça? Il y a très longtemps que je ne m'en suis pas servi, j'ai quasiment peur de la rater. Mais normalement, avec ça, on ne peut pas rater. Alors, on va faire avec ça, tiens. Et alors, pour moi, j'ai prévu 3 œufs. Nous allons récupérer que les jaunes. Donc ça, c'est tout simple. Alors, comme c'est une mixture qui est un mélange de deux sauces, ici, nous avons nos échalotes. Alors, les échalotes, eh ben, on va essayer avec la casserole au bain-marie. Voilà. Donc, je les vide. Alors, je ne l'ai pas fait chauffer, hein. La casserole est entièrement froide. Alors, bien sûr, on peut le faire avec n'importe quelle casserole. Hein. Il suffit d'être à côté et de remuer, et de remuer, et de remuer sans arrêt. Tout est dans deux choses, on va dire. Le fait de remuer pour faire une émulsion et la température. C'est tout. Pour faire la base de la sauce hollandaise, il ne faut pas que ça chauffe trop, puisque nous allons mettre des œufs. Et si nous mettons des œufs, forcément, si vous faites trop chauffer, vous allez vous retrouver avec des œufs brouillés ou une omelette. Hein? Donc là, ça va vite refroidir parce que la casserole étant froide, je viens de mettre. Alors normalement, il n'y a pas d'échalote. Hein? Hein? C'est mon mélange des deux sauces que je suis en train de faire. Et nous allons mettre les jaunes. Donc là, on part à froid, donc forcément, les jaunes ne vont pas cuire. Et dans. Aïe! J'ai raté la coquille, c'est pas grave. On se débrouillera quand même. Eh ben. Et deux. Oh, ça fait rien, allez, maintenant c'est dedans. Alors, tant pis. C'est dommage, hein, parce que les blancs, on aurait pu en faire autre chose. Alors, je peux toujours retirer les coquilles. Parce que sur la fin du four, par exemple, on peut faire des meringues avec les blancs qu'on monte. Sur les montants neige, vous pouvez faire des meringues quand le four est éteint. Parce qu'il faut une très basse température pour faire les meringues. Voilà, j'ai mes 3 œufs, mes 3 jaunes, pardon. Alors là, on va mélanger un peu. Voilà, et c'est là que ça va commencer. C'est là que tout va se jouer. Alors là, nous allons mettre un peu d'eau. Pourquoi? Parce que la réussite de faire une bonne émulsion, c'est de rajouter un peu d'eau. Alors pas beaucoup. Hein. Voilà. Sauf que là, bien sûr, je suis beaucoup trop froid. Donc on va aller mettre ça sur le gaz. Et puis là, on va pouvoir mettre le gaz assez fort, puisque on est sur une casserole, donc comme je vous ai dit, à double paroi. Et avec cette 80 paroi, on va pas avoir une grosse température à l'intérieur. Pour que ça fonctionne bien, il faut qu'on puisse mettre le doigt à l'intérieur. Si vous vous brûlez, c'est que c'est trop chaud. C'est trop chaud et vos œufs, ils vont trop cuire et vous allez faire une marmelade, on va dire. Hein. Vous êtes proche de l'omelette ou de l'œuf brouillé. Il ne faut pas que ça tourne en œuf brouillé. Et on va la monter comme ça. Et quand elle sera bien homogène, qu'elle sera suffisamment ferme, ensuite, on va la monter avec du beurre. Donc prenez des morceaux de beurre froid, vous coupez en petits carrés, et on va les incorporer après petit à petit. Je le ferai devant vous pour monter la sauce. Pour l'instant, je vais aller faire chauffer ça, parce que le temps que ça chauffe l'eau, mine de rien, il faut quand même un certain temps. Voilà, donc là c'est très facile avec cette casserole. Ça vous permet d'avoir le temps, et ça chauffe doucement. Donc c'est difficile de rater.
Regardez, vous voyez, on voit le fond, regardez, dans le fouet, ça tient. Voilà. On n'est pas sur de l'œuf de brouillé, on n'est pas sur de l'omelette. Et là maintenant, on va rajouter le beurre et on va monter notre sauce avec le beurre. Alors là, je peux vous le faire en dehors du feu puisque la casserole, avec l'eau chaude à l'intérieur, voilà, elle tient très bien. La température en fait, on fera peut-être que j'aille en faire réchauffer un petit peu tout à l'heure, mais pour l'instant, voilà. Donc vous rajoutez les morceaux et vous montez avec le beurre. Alors bien sûr, il faudra saler, poivrer et citronner surtout. Donc j'ai préparé, voyez, un citron ici. Ça, on le fera à la fin. Et on mettra un jus de citron. Et vous aurez une sauce délicieuse pour les poissons, mais pas que les poissons. Voilà, donc vous la montez tranquillement au beurre, comme ça. Alors, c'est sûr, c'est pas pour les régimes. Hein. Pour manger tous les jours, quoi. Alors pourquoi mettre du beurre froid? Parce que le beurre froid, bien sûr, il va fondre doucement et vous aurez le temps de l'incorporer doucement à votre sauce, à votre sabayon en fait. Et je vous parle même pas de l'odeur. C'est une tuerie. Et effectivement, c'est très facile à faire avec cette casserole spéciale sauce. Mais vous pouvez très bien le faire, une casserole ordinaire. Hein. Il faudra être plus vigilant à la température. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça commence à vous brûler le doigt, quand vous plongez votre doigt à l'intérieur, c'est la bonne température, en fait. Il ne faut pas aller plus loin. Autrement, votre œuf, il va cuire. Puis vous allez faire des œufs brouillés à la place d'une sauce. Et si c'est pas assez chaud, l'œuf ne cuira pas, tout simplement. Vous voyez, on est sur une sauce très nappante. Allez, on va finir sur ce coup-là. Je vais mettre tout le restant. Voilà. C'est sûr qu'avoir une casserole comme ça, c'est un gros avantage. Ça évite de rater. Puis ça permet de faire réchauffer aussi. Sans que les sauces tournent en fait. Voilà. Voilà, nappant. Parfait. Alors là, nous allons lui rajouter le jus de citron. Ah, je ne l'ai pas salé ni poivré. Ah, vous voyez, ça tombe bien, le poisson est cuit. Le sel, on va lui mettre un petit peu de poivre. Vous pouvez mettre du piment aussi, hein, piment d'Espelette. Hein. Super, un piment d'Espelette. Le citron. Alors là, si vous avez une petite passoire, c'est encore mieux. Moi, je sais plus, je l'ai perdu. Donc on va prendre un chinois. C'est pour éviter que les pépins tombent dans la sauce, tout simplement. Bon allez, je finis le citron, et on se reprend après. Bien sûr, après, il faut remettre un petit tour de fouet. Et bien sûr, il faut goûter pour rectifier l'assaisonnement si besoin. Et voilà, j'avais oublié de rajouter la petite ciboulette du jardin. Ce qui est totalement improbable en cette saison.
Pendant qu'il fait encore un petit peu jour, nous allons ramasser des fines herbes. Oui, les fines herbes repoussent déjà. Aujourd'hui, il fait 17 degrés au sud de Poitiers. Assez incroyable. Et vous voyez, alors le thym, non, le romarin par contre, se tient bien. Il a réussi à résister à cet hiver, ce qui est rare. Et puis les fines herbes, eh ben, elles poussent. Donc je vais ramasser ces fines herbes pour la sauce. Bien voilà, c'est terminé. Donc c'est assez rapide. Et si on s'organise bien, c'est vraiment un très beau menu. Même pour des jours de fête ou autre, vous pouvez faire ça. Et attention, vous pouvez faire ça avec n'importe quel poisson. Ou même des darmes de poisson. Ou vous n'êtes pas obligé d'avoir un poisson entier. Vous pouvez faire ça avec des filets, vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. Le plus dur, c'est juste réussir la sauce, qu'elle soit nappante. Il n'y a rien de compliqué. Essayez, vous verrez, c'est simple. Puis là, je peux vous dire, avec une bonne petite sucrine, parce que j'adore les sucrines, je sais que c'est mal présenté. J'aurais pu présenter ça mieux. Mais moi, je vais passer directement à table avec cette assiette-là, vous voyez. Les amis, à une prochaine. Régalez-vous bien. Et puis une bonne année pour ceux à qui je ne l'ai pas dit. Même si on est au mois de février, jamais trop tard pour bien faire. À plus, les amis. Thank you.